Une conclusion maintenant sur cette formation à la méthodologie de résolution de problèmes et quelques pistes qui peuvent vous être utiles si vous souhaitez approfondir. Donc des méthodes de résolution de problèmes, il en existe beaucoup. Donc si vous avez des formations sur le sujet, on vous présentera infailliblement une méthode. Donc le 8D, la méthode CRIM. Moi ce que je vous ai présenté, c'est en quelque sorte une méthode générique qui dit il y a quatre grandes étapes. Mais bien entendu, vous vous doutez qu'on peut réutiliser cette philosophie et la présenter de manière différente. Mais bien entendu, les principes restent toujours les mêmes. Réfléchir avant d'agir, utiliser un certain nombre d'outils adaptés, vérifier qu'on a atteint les résultats. Les principes sont de toute manière toujours les mêmes. Donc vous pouvez, le cas échéant, si ça vous intéresse, regarder la version PDF ou la version PowerPoint de ce poly et suivre les liens que je vous donne. Donc là, ce sont des liens essentiellement sur les articles de Wikipédia. Non seulement les articles sont souvent bien faits et bien à jour, mais vous trouvez des liens vers des ressources supplémentaires dans les références ou dans la bibliographie de l'article. Je suppose aussi que si vous avez accès aux techniques de l'ingénieur, il existe un article très bien fait sur les méthodes de résolution de problèmes, parce que c'est un grand classique. Alors, la méthode CRIM, donc CRIM c'est un acronyme, donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, l'idée de dire CRIM, c'est simplement pour avoir un repère, c'est comme le QQQCP, si vous avez une checklist de questions. Donc CRIM, le C de CRIM c'est caractériser, R c'est régler provisoirement, I, c'est identifier la cause d'origine, la cause racine. Ensuite, M, c'est mener l'action corrective. Et E, c'est évaluer le résultat. Donc voilà, donc ça, c'est la méthode CRIM. Cette méthode CRIM est une méthode qu'on utilise en production. Donc en production, on fait beaucoup de résolution de problèmes parce que, vous vous souvenez, une des compétences clés quand vous faites de la production, c'est quand vous avez votre chaîne qui s'arrête, c'est la remettre en route tout de suite. Et donc pour ça, il faut faire de la résolution de problèmes. On a sans arrêt des problèmes à résoudre, les problèmes qui compromettent la qualité du produit en sortie ou autre. Et donc dans ces cas-là, la priorité, il y a cette étape réglée provisoirement, cette étape 2. Alors, c'est pas de la bonne résolution de problème de faire du réglage provisoire, mais quand même, quand vous êtes en situation de production, la priorité c'est de relancer la production même en mode dégradé. D'où le fait que vous avez ici ce R qui dit on va chercher à régler provisoirement le problème et ensuite on continue de dérouler et d'aller jusqu'aux causes racines. Mais on cherche tout d'abord à pallier à la situation avant d'aller à la suite. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a fait cette étape de régler provisoirement le problème, on revient sur le cycle de remonter aux causes racines, trouver une solution durable, la mettre en place. Alors, quelques exemples de formulaires de méthodes de résolution de problèmes. En entreprise, vous vous doutez que la résolution de problèmes, c'est le pain quotidien des cadres, des techniciens qui travaillent. Et donc souvent, les entreprises mettent au point des méthodologies et distribuent des formulaires pour guider les groupes de travail. Donc ici, par exemple, vous avez un formulaire adapté à la méthode 8D. Donc en haut du formulaire, ici, vous avez un cartouche sur la composition de l'équipe. Ici, vous avez la première étape qui est le QQOQCP avec une mesure des choses. Là, vous avez ce qu'on fait pour ce qu'on appelle de la sauvegarde, donc c'est réglé provisoirement. Donc ça, c'est la première page du formulaire. Et ensuite, vous avez une deuxième page du problème, du formulaire, dont le but est de remonter à la cause primaire. Parfois aussi, c'est intéressant, on n'a pas eu le temps de développer, mais de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas détecté le problème plus tôt? Donc là, c'est toute une question qu'on pose en gestion des risques, qui est la question non pas forcément de est-ce qu'un risque est prioritaire, mais est-ce qu'on peut détecter le risque le plus tôt possible? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des moyens de prévention et de détection. Donc voilà, là vous avez un formulaire en deux pages. Vous en trouverez plein d'autres exemples, et souvent en entreprise, l'entreprise vous fournit sa propre méthodologie
qui a été mise en place localement. Et donc ces méthodologies, c'est toujours les mêmes principes que vous retrouvez, hein. On va après vous donner des formules mnémotechniques différentes, les outils vont parfois être légèrement différents, mais la philosophie est toujours la même. Voilà, autre formulaire de méthode de résolution de problèmes utilisé en production. Donc, voyez ici les différents stades. Vous avez ici une série de 8 stades. Donc, décrire le problème, prendre en compte à partir d'une pièce similaire. Rappelez-vous, on est en production. Analyse initiale sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas détecté le problème. Solution temporaire, analyse des causes réelles et des causes racines, solution définitive, vérification de la solution et mise à jour de la documentation. Donc, vous voyez, cette checklist va permettre à l'équipe de travailler rapidement en cochant les choses qu'il y a à faire. Pour terminer, maintenant, je vais vous pointer vers des moyens d'approfondir et de vous former à la résolution de problèmes vous-même. Alors, tout d'abord, nous avons mis au point à Centrale une étude de cas en résolution de problèmes qui raconte l'histoire d'un restaurant. Et donc, dans cette étude de cas, vous avez le rôle de l'équipe de consultants qui va aller enquêter sur le problème et suivre les diverses étapes. Hein? Donc, essayez d'abord d'évaluer ce qui se passe, de voir à quel problème faut-il s'attaquer en premier, ensuite de passer en phase de collecte de données et de recherche des causes, ensuite travailler sur la mise en place d'une solution, etc. Hein? Donc, ça, c'est une étude de cas qui est disponible en licence libre. Sur l'internet. Elle est en anglais, de manière à être plus largement accessible. Dernier point maintenant, si vous voulez regarder un exemple de résolution de problème intéressant et facile à lire, alors vous trouverez beaucoup de choses. Personnellement, j'ai bien aimé ce qui est proposé par Paris 7. C'est un exemple de cycle qui raconte un peu la mise en place d'une résolution de problème liée normalement à l'attente dans le service médical d'un hôpital. Donc c'est très intéressant, tout simplement parce que vous voyez comment a fonctionné le groupe, quels sont les résultats du brainstorming et qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc là, si vous avez, on va dire, un quart d'heure, une demi-heure, vous pouvez rapidement lire un exemple de déroulement de résolution de problème. Voilà, il me reste qu'à vous remercier de votre attention et donc à vous inviter, si vous le souhaitez, à aller regarder les vidéos présentant plus en détail chacun des outils, voire à faire vous-même l'étude de cas. Voilà, merci.